bien, salut à tous la Team Zen, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars, défi semaine 3, saison 2 de Fortnite Battle Royale, chapitre 2. Aujourd'hui défi épreuve de TNTina, vous allez devoir donc prendre votre courage à deux mains et aller attaquer des chefs. Donc qu'est-ce que c'est ces chefs là? C'est les boss tout simplement que vous voyez aux nouvelles, aux nouveaux endroits un peu de Fortnite depuis cette saison 2, c'est-à-dire la plateforme, pétrolière, l'agence, le requin, le yacht, la grotte. Tous ces endroits-là ont un chef, ont un boss différent et il faudra infliger des dégâts à ces chefs à hauteur de 500 dégâts pour valider votre défi. Alors c'est valable normalement en solo, duo, section. Donc moi je vais aller en solo, je vais lancer et je vous retrouve sur place, je vais essayer d'aller à la grotte. Si c'est très loin, tant mieux, parce que j'aurai peut-être moins d'ennemis, vrais ennemis, vrais adversaires. Mais si c'est proche, bah écoute, on va devoir se débrouiller avec ça. Alors le but c'est de trouver le boss et d'infliger des dégâts, peu importe si vous mourrez, le but c'est de faire quelques dégâts au boss pour revenir après, refaire quelques dégâts, etc. Donc je vous retrouve sur place, c'est parti. Je disais, vous allez devoir aller ici à la grotte. Pour ma part, bien sûr, vous pouvez aller au yacht, à l'agence, au requin, à la plateforme pétrolière. Moi je vais à la grotte ici. Le but c'est bien sûr d'essayer de vous procurer une arme dès le départ, de rentrer le plus vite et le plus en même temps furtivement possible dans la grotte hein. Et bien sûr avec votre arme de trouver le boss et de lui infliger des dégâts. Sachez que ces boss ils sont extrêmement forts. Eux-mêmes ils peuvent vous one shot avec leurs armes spéciales hein, que ce soit le minigun, l'ascar, que ce soit l'arc explosif, etc. Chacun a une fonctionnalité différente et il peut très très vite vous one shot. Donc vous ne vous faites pas avoir par ça. Bien sûr ne mourrez pas ici au niveau des tyroliennes. Hop, vous descendez, moi pour ma part je passe direct comme pour l'autre vidéo des caméras ici. Et lorsque vous arrivez ici, bien sûr, je prends pas la canne à pêche parce que je m'en moque de la canne à pêche. Et je prends quand même le harpon parce qu'il fait dégâts. Je descends ensuite au deuxième niveau. J'en profite pour péter une deuxième caméra pour le défi des caméras, regardez. Hop. Ensuite, je prends un pompe. Et là, je vais m'approcher du boss. Le but, c'est de le trouver. Normalement, il se trouve toujours dans la partie centrale. Regardez, il doit être par là. Donc ça c'est pas le boss. Le boss il est représenté en blanc. Donc oh. Je vais péter la cette caméra également. Voilà. Alors voilà, le boss il est là. Voilà, et là il va sûrement me tuer. Voilà. Mais le boss, comme je vous dis, j'ai fait des dégâts avec son minigun, c'est Brutus. Le boss de la zone là, c'était Brutus. Vous allez avoir Miaouz Clé, etc. Chaque boss, en fait, chaque skin du pass va avoir son icône boss, on va dire, de chaque endroit. C'est-à-dire, comme je vous disais, la plateforme, il va y avoir TNTina avec l'arc explosif. Miaouz Clé, il sera au yacht. Ici, c'est Brutus. Et voilà, j'ai fait quelques dégâts. C'est le but de la manœuvre, les gars. Après, bon, de mourir, c'est forcément un peu plus con. Hein. Mais moi, je suis mort, mais pour vous montrer juste où est-ce qu'il se trouvait et qu'est-ce qu'était en fait un boss. Une fois que vous l'avez fait, eh bien vous repassez avec vos potes en section, en duo, même tout seul, et vous refaites quelques dégâts. Bien sûr, essayez de pas mourir. Ça se passera pour le mieux. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Si vous avez d'autres questions, n'oubliez pas dans l'espace commentaire de me les poser. De regarder sur ma chaîne tous les autres défis de cette semaine et tous les défis que vous avez besoin, que ce soit Deadpool, Maya ou les autres semaines qui sont passées tout simplement. Je vous remercie, n'oubliez pas de rester zen. A tout à l'heure demain pour nous.